Et d'autre part, JIF 2016, célébration officielle. Un an après, jour pour jour, la même manifestation se déroule dans la même ferveur, mais avec une seule différence. Pas de tissu identique pour les femmes, une première depuis au moins 10 ans. L'exhibition exagérée, avec des foulards qui ne disent pas leur nom, et vous retrouvez derrière des lobbies de business qui ont leur chiffre d'affaires à travers ces activités-là. On ne leur refuse pas ça. D'autre part, ça a bouleversé aussi les données économiques des revendeuses de tissus, parce que effectivement, quand elles venaient beaucoup acheter ou choisir des uniformes, ça nous faisait un plus à gagner et on faisait plus de ventes. Donc effectivement, on a un manque à gagner à ce niveau-là. Cette matérialisation a manqué à la fête. Un manque pour ces lobbies tapés dans l'ombre, un manque aussi pour certains acteurs politiques. Quand vous voyez les politiques prendre leurs ressources pour acheter le tissu et l'offrir aux femmes, en les prenant comme un bétail électoral, c'est là où ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez des ressources publiques sorties pour imprimer un pagne qu'on devrait vendre. Je voudrais demander à l'État d'aller faire le point. Le 8 mars, sans tissu, les femmes du marché d'Antokpa, commerçantes de la denrée, mènent tout autre raisonnement. On considère tout simplement que le pagne, dans le système économique actuel, est un produit de luxe. Et se lever pour venir acheter un pain signifie qu'on a peut-être pu manger ou donner à manger 2 ou 3 fois à ses enfants dans la journée, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent. L'État a peut-être refusé la pratique cette année, mais elles estiment que c'est un élément d'identification. Et si on amenait le politique à comprendre l'importance de l'utilisation de ce pain, on pourrait peut-être revenir tout en mettant des garde-fous par rapport à la gestion des ressources injectées dans cette activité. Avec cette décision, le symbolisme du tissu est en train de disparaître, mais il n'enlève rien à la célébration. Va-t-il durer dans le temps? C'est une autre interrogation.